chirurgie esthétique, qu'est-ce que la technique du fat removal dont raffolent les stars? Certaines personnes deviennent obsédées par leur apparence physique, les stars en premier. À cause de cette recherche constante de la perfection, de nouvelles tendances très étranges émergent. L'une des dernières en date concerne la technique du buccal fat removal. C'est-à-dire la disparition des grosses joues, trop mignonnes. Kazako, il s'agit d'une lubie chirurgicale qui consiste à enlever les coussinets de graisse au milieu de la joue. Résultat, celle-ci est plus creusée et les pommettes encore plus saillantes à l'Angelina Jolie. On vous explique tout sur cette tendance beauté de plus en plus en vogue. Dans la quête de cet aspect sharp, des célébrités se font retirer la graisse des joues grâce au buccal fat removal. Cette intervention chirurgicale peut totalement modifier la structure du visage. Comment ça marche? Le chirurgien pénètre dans la bouche du patient et enlevant la graisse des joues de l'intérieur vers l'extérieur. Dans le magazine Rolling Stone, le docteur Konstantin Vasiliukovitch, un chirurgien plasticien certifié, explique que la graisse buccale est une poche de graisse dans le visage qui maintient le volume des joues. Suite à cette intervention chirurgicale d'une durée de 20 à 40 minutes, il n'y a ni marque, ni cicatrice présente sur le visage. Et pour cause, elle ne nécessite qu'une petite incision à l'intérieur de la joue. À propos des résultats, le menton et la mâchoire sont aiguisés comme un rasoir. Et les pommettes sont ultra définies et proéminentes. À noter que cette opération est purement esthétique. Elle n'a strictement aucun avantage sur la santé. Quant à la cicatrisation, le visage est légèrement gonflé un temps. Mais sur la durée, le résultat est moins concluant. En vieillissant, la graisse devient plus rare dans le visage. Ce qui peut donner l'impression qu'une personne avec moins de graisse buccale est maigre. Selon les explications de Dr. Vasiliukovitch, l'une des premières stars à s'être confiée sur le sujet, c'est Chrissy Teigen. L'année dernière, elle a expliqué avoir fait ce truc d'élimination de la graisse buccale. La structure de son visage a été modifiée laissant sa mâchoire en forme de V angulaire. Mais si le buccal fat removal fait le buzz en ce moment, c'est à cause du selfie de Léa Michel. La star de Funny Girl est apparue avec un nouveau visage ni vu ni connu. Les internautes ne sont pas dupes. C'est devenu la nouvelle tendance chirurgicale. Les standards de beauté n'ont pas fini de nous surprendre.